Bonjour à tous et à toutes pour ce premier jour d'août qui fait donc suite à une journée de vendredi où le dollar a corrigé. Alors pourquoi le dollar corrige? Parce que les craintes de récession maintenant commencent à s'amplifier, ce qui veut dire que la Fed risque de s'en tenir au programme de hausse de taux que la Banque centrale américaine a déjà définie et donc qu'elle ne va pas aller plus loin, qu'elle ne va pas être encore plus agressive sur la hausse des taux. C'est l'interprétation du marché et c'est dû à des chiffres économiques un petit peu en deçà de ce que le consensus attendait. La première conséquence de tout ça, c'est qu'on a atteint un plus bas de 6 mois sur le dollar yen et un plus haut de 6 mois, de 6 semaines, pardon, dans les deux cas, sur l'OSI sur le dollar australien contre dollar américain. Les chiffres à venir seront plutôt consacrés à l'activité économique, puisque cet après-midi, on aura le PMI manufacturier aux États-Unis. Demain, le PMI non manufacturier. Mercredi, on aura une décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt, suivi jeudi par la Banque d'Australie. Et enfin, on reviendra sur l'activité économique avec le chiffre de l'emploi, toujours très important aux États-Unis, vendredi. Donc, un changement un petit peu de ton, un changement de sentiment sur les marchés avec une détente sur les taux qui entraîne une correction du billet vert. On va voir ce que ça implique sur notre plan de trading en dollar yen, même si la hausse du dollar n'est peut-être pas finie. On voit ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez à l'écran, comme d'habitude, l'indice dollar qui corrige maintenant vraiment, puisque l'ampleur de la baisse est plus importante que la fois précédente. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on assiste à un retournement de tendance? C'est un petit peu tôt pour le dire. Ah, j'ai supprimé la moyenne mobile qu'il ne fallait pas. Bon, je supprimerai demain. Voilà. C'est un petit peu tôt pour le dire parce que on a des indications effectivement que ça pourrait être le cas. En tout cas, que la correction pourrait s'amplifier. Vous voyez les deux moyennes mobiles ici de court terme qui se croisent à la baisse. Mais pour qu'on ait un véritable changement de tendance, il faut casser le dernier creux. Je vous rappelle la théorie de Dow. Donc, tant qu'on a des creux et des sommets ascendants, nous sommes dans une tendance haussière. C'est exactement le cas ici. Le dernier creux, il se situe sur 103,19. Et donc, on en est loin. On peut aller jusqu'à 103,19 sans dire que nous assistons à un renversement de tendance. Simplement, effectivement, ce croisement de moyenne mobile à court terme est quand même montre que la correction pourrait maintenant s'amplifier. Donc, méfiance, tendance toujours haussière de moyen terme, mais tendance de très court terme maintenant baissière sur le dollar. Alors, ça se voit particulièrement contre l'OSI. Qui a cassé son canal baissier, je vous en avais parlé, qui aujourd'hui réaccélère à la hausse. Les deux doji des deux dernières séances pouvaient laisser penser que on aurait pu assister à un faux break. Aujourd'hui, la bougie, elle est claire, elle est nette, elle montre bien que on est dans une phase là encore de correction, mais qu'on peut aller plus haut. Simplement, la tendance moyen terme, elle reste toujours baissière tant qu'on est sous cette moyenne mobile
à 200 périodes. Alors, le premier, hop, la première résistance, c'est ici sur 0,70-70, on y est presque, sur l'OSI. Ça peut entraîner quelques prises de profit. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, à très très court terme, on est haussier. Et donc, pour les signaux de trading de court terme, on avait effectivement un achat sur l'OSI, mais que sur certaines heures. Sur le reste, sur le moyen terme, on reste toujours baissier aussi, malgré tout. Sur le dollar-yen aussi, donc, hein, je vous ai dit, plus bas de 6 semaines. Donc là, on est sur 132, on est très proche maintenant de 131,35, qui est une droite de polarité qui va être importante. On verra ce qui se passe. Je garde mon stop loss sous 131,35, parce qu'on pourrait quand même, malgré tout, avoir un rebond sur ce niveau dans les prochaines heures, dans les prochains jours, cette semaine. Ça met effectivement le croisement de la moyenne mobile ici à court terme n'est pas de très bons signes, en tout cas dans l'immédiat. On verra si on casse 131,35, on pourrait avoir une correction plus importante vers 136,78 et on se penchera alors sur les ratios Fibonacci, ce qu'ils nous donnent comme objectif. Mais pour l'instant, on reste donc sur une baisse de très court terme sur le dollar yen et une correction maintenant qui est avérée. Sur alors les autres paires de devises majeures, donc l'euro-dollar, première paire dans Trail, hop, ici l'euro-dollar, vous voyez que lui il reste quand même assez faible parce que malgré la correction du dollar, on est sur l'euro-dollar sous cette résistance dont je vous ai beaucoup parlé la semaine dernière à 1,0277 et que je ne peux pas être long sur l'euro-dollar tant qu'on n'a pas dépassé cette résistance. Ça montre bien que l'euro reste fragile et surtout, si on casse cette résistance, on a encore derrière la moyenne mobile à 34 périodes et l'oblique baissière. Et donc, à moyen terme, on est toujours dans une tendance baissière sur l'euro-dollar. On va voir ce qui se passe. Alors, les paires en euros ont beaucoup souffert, hein, ce qui montre bien ce que je vous disais, la fragilité de l'euro. Si on prend l'euro suisse, puisqu'on a un plan de trading, on voit bien que on a certes une figure d'hésitation ici vendredi, mais pour l'instant, on n'a pas une accélération haussière, une reprise haussière qui pourrait nous laisser penser qu'on atteint un point bas vendredi. Il n'y a pas grand-chose, comme je vous le disais, de sous le plus bas ici. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est d'août 2015. En tout cas, c'est la clôture de la bougie du mois de janvier 2015 et pas le plus bas. Le plus bas est beaucoup plus bas, comme je vous l'ai expliqué vendredi. Donc, on reste forcément négatif sur l'euro suisse dans les prochains jours. Sur l'euro-yen, c'est aussi très marqué. L'objectif, là, ça va être une correction vers 133,45. On a cassé un support à 136,85 qui nous laisse penser que maintenant, on va avoir une correction un peu plus profonde vers la moyenne mobile à 200 périodes. Sur l'euro-livre, même chose. Sous 0,8403, on pourrait presque même envisager une position short sur l'euro-livre, mais attention, il y a la BOE cette semaine, donc si vous voulez le faire, c'est du très court terme. Pensez à déboucler votre position jeudi, avant mercredi, je crois que c'est, avant la réunion de la BOE, parce que vous pouvez avoir de gros désagréments. Simplement, effectivement, ici, on voit bien aussi la faiblesse de l'euro sur cette paire de devises. Même chose sur l'euro AUD, même si c'est peut-être un petit peu moins prononcé. Mais dans tous les cas, on est sous la moyenne mobile à 13 périodes. Donc l'euro reste la devise fragile pour l'instant. Et elle ne montre pas beaucoup de signes de reprise, ou en tout cas de signes qui pourraient nous inciter à reprendre une position longue sur l'euro. On reste donc short sur l'euro. On a vu
On a vu, ben on a quasiment, je crois que j'ai fait le tour du marché. Le Luni, c'est un jour férié au Canada, hein, il ne va pas se passer grand-chose. J'ai parlé de l'AUD, qui reste donc la devise la plus forte. Oui, le dollar, donc vous voyez qui corrige aussi contre dollar canadien. À chaque fois, on a quand même en ligne de mire. Sur le très court terme, cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors, vous savez que je ne vous donne pas de signaux de vente ou d'achat sur le très court terme. Là, je vous ai donné quelques indications quand même. On est sur des tendances de court terme qui sont à contre-tendance de celles à moyen terme. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué à trader, mais elles sont quand même avérées, ces tendances de correction. Donc, on est vraiment dans une phase de correction et il y a des opportunités sur le court terme, évidemment, à faire, sauf qu'il ne faut pas porter trop longtemps ces positions. Et je vous donne une autre indication, l'objectif que vous pouvez avoir, c'est si vous voulez les jouer, la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, dollar yen, ça commence à piquer. Parce que non, ça commence pas à piquer, pardon, on a été stoppé. Je dis absolument n'importe quoi. On a été stoppé puisque j'avais relevé, j'étais resté sur le support en fait technique, mais j'avais mis un stop loss beaucoup plus proche. Donc là, on a été stoppé. L'euro suisse, on reste short. Et pour les autres paires de devises, je vous le disais, on ne rentre pas de position de moyen terme. Par contre, il y a des opportunités effectivement sur le court terme. Voilà. Donc, j'ai bien eu vos messages pour ceux qui m'ont envoyé de mails pour vous tenir au courant de la suite. Je n'ai pas malheureusement pas plus d'indications à l'heure actuelle. Normalement, le service sur Daily FX va continuer jusqu'au 10 août. Après, de toute façon, la deuxième quinzaine d'août, je serai en vacances, quoi qu'il arrive. Donc, si d'ici le 10 août, j'ai quelques précisions, je vous tiendrai au courant. Je réfléchis, je cherche toujours une solution pour reprendre Forexpresso en septembre pour l'instant. Donc, je n'ai pas de nouvelles à vous annoncer. Ça, c'est la première partie. La deuxième chose, sur les signaux de vente ou d'achat à court terme, ceux qui sont intéressés, qui m'ont envoyé fin juillet leur demande de renseignement. Pour l'instant, je ne vais pas vous en donner maintenant parce que de toute façon, comme je pars en vacances, je ne vais pas vous donner un service payant alors que je ne vais pas être là. Donc, je vous tiendrai courant au mois de septembre. Les autres, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail ou un message sur mon compte Twitter. Que je vous rappelle, puisque c'est là-dessus que je vais communiquer pour la reprise ou pas des analyses que je fais. Donc restez bien connectés à Twitter. Voilà, pour ce début de mois, ce début de semaine qui voit donc le dollar corrigé. Bon après-midi, le chiffre du PMI cet après-midi. À demain, ciao ciao.